Donc, je dis à la, et n'a quitté Haïti, n'a quitté Haïti pour aller dans les Émirats Arabes Unis. Et puis ensuite, n'a pu traverser rapidement pour aller Nairobi, Kenya. Mais avant même, moi, parler de objectif voyage là, d'aimer saluer tout enseignant, parce que je dis à cette journée mondiale des enseignants, et je ne vais pas aller sans pas reconnaître le travail extraordinaire que enseignants haïtiens ont fait dans des conditions excessivement difficiles à travers le pays pour assurer que les élèves là et si mon jeunesse là, ils ont joindre la formation et l'éducation qu'il leur faut pour être capables d'assumer leur rôle dans la société. On a regardé pour nous avec le budget qui fait sortir, on a augmenté le budget éducation nationale de manière très significative, mais il faut le faire plus. Et vraiment, pendant la transition, ça, moi, je dis au ministre de l'Éducation nationale là, que je me tiens à une amélioration vraiment significative dans la situation et les conditions de travail en Syrie, qui vraiment, ils ont même gagné à venir payer à la main. Deuxième, moi, je profite encore une fois pour vous faire condoléances à la famille, victimes, massacres, attentats lâches qui fêtent dans la nuit du mercredi au jeudi. Je profite de dire, rappeler que le gouvernement va accompagner eux, que nous là avec eux, nous partager souffrances, nous partager douleurs. Nous sommes blessés l'hôpital, nous rencontrer, nous discuter avec eux et que nous disons que l'État ici est en place pour l'accompagner pendant la période excessivement douloureuse. Ça, et nous avons tout profité de dire tout, que le pape Zach Sayo, pape craser détermination, non? Pape craser volonté, non? Pour nous avancer sur la question sécuritaire, hein? Pour nous assurer que justice est faite et pour nous assurer que le monde qui est victime joue une restitution. Voyage n'a fait là, c'est justement dans le contexte sécuritaire. Jean-Noueli, nous attaqué sur plusieurs fronts. Monsieur le Police nationale, là, sous commandement des Génormis, là, font un travail exceptionnel. On a continué l'opération pour nous sur Solino. On a renforcé port. On a repoussé l'attaque dans la zone Brissier. Vous voyez des unités spécialisées là en urgence qui passaient d'ailleurs par la route. Largement équipées, il a continué à voyer agents spécialisés par hélicoptère pour nous assurer que nous avons les moyens qu'il faut pour nous chercher les bandits et pour nous assurer que nous menons devant la justice. Et vraiment, encore une fois, je remercie la police, M. Lamé, qui tous les jours, amène vie en danger pour être capable de protéger nous. Et je crois que le peuple haïtien a une dette de reconnaissance à chaque policier et policière, je dis, qui travaille pour sécuriser le peuple haïtien. Merci en pile tout, DG Rameau, pour courage et leadership exceptionnel pour la police, évidemment, le ministre de la Justice, là, tout là avec nous. Cap travaille avec Zongyo très souvent parce que pas de moyens, mais décider de témoin de ça pour améliorer la situation de la population. La population impatiente, c'est normal. Bah, il n'y a pas fait vite, c'est normal. Il y a des inquiétudes, il n'y a pas avancé, c'est normal. Même les rassurer nous que sous 100 jours, nous sommes passés là, sous près de 4 mois depuis nous-mêmes, nous là, nous sentir nous ouais et fort que la police avec l'armée, le ministère de la Justice, même le gouvernement a fait pour nous restaurer la sécurité, pour nous récupérer. Ça a eu les territoires perdus et pour nous assurer que le peuple a enfin a une sécurité qu'il méritait. Donc, le voyage là fait, c'est justement le contact. Ça nous constater, c'est que il y a deux bagailles qu'on a besoin pour nous capables de gagner une bataille. Ça a gagné de manière définitive. Premier bagaille là, c'est le nombre, le chiffre. Nous avons besoin de plus de bras, nous avons besoin de plus de policiers, nous avons besoin de plus de militaires. Et de ce fait, dimanche passé, nous avons visité presque 700 jeunes qui, dans l'Académie Police, là, décidés, déterminés. Ils ont même tout pour venir rentrer dans la bataille là. C'était un moment d'émotion énorme. Ils ont réuni en face toutes les jeunes. Et malgré le danger, ils ont paré eux-mêmes pour faire contribution par eux, pour bailler contribution par eux, pour protéger le pays. Donc, on a continué à renforcer la police là et on a renforcé aussi vite que possible. Pendant la période de transition, on a créé l'autre académie de formation pour que nous puissions former les jeunes, non seulement pour le prince, mais pour nous former tout dans la zone nord et dans la zone sud. C'est des bagages qu'on a pris avant et fin d'année fiscale qui venir. Donc, détermination pour renforcer la police aussi rapidement que possible, c'est ça, c'est un gros objectif que nous battons, que nous battons. Le regard des budgets, on a pris une partie importante dans le budget, c'est la sécurité le aller. Et la sécurité le aller, c'est justement pour renforcer la police. On a toujours dit, nous,
nombre de policiers que nous avons là pas suffisant pour mener bataille ça pour 12 millions d'habitants. De me comparer avec l'autre pays qui a des crises similaires, c'est pour ça qu'on n'a pas de disposition pour ça. Donc, le nombre de policiers que nous avons besoin, nous pouvons gagner et nous travaillons pour lui. C'est la même chose pour l'armée. Là, nous avons recruté presque 700 nouveaux soldats. Nous avons ranger nos gens pour augmenter tout effectif et officier. Nous avons gagner des centres de formation pour militaires en dehors de la capitale parce qu'il faut que nous arrivions à un chiffre critique de policiers et de capacités répressives qui viennent à donner policiers et armés, non seulement pour nous faire travailler contre gang, mais tout pour nous sécuriser les frontières, que nous connaissons et rétablir la stabilité dans le pays. Donc, l'urgence pour nous, c'est que nous manquons de bras et nous faut de bras. Un objectif voyage, ça, c'est justement nous voir le Kenya pour nous discuter avec le président Kenya. Nous avons pris une invitation qui a été faite pour le début du mois de septembre pour nous précipiter, accélérer le processus de déploiement Rest Force Kenyanio le plus rapidement que possible pour venir continuer à appuyer les forces de police. L'invitez-nous, nous allons regarder le nouveau contingent policier qui vient pour l'IVA. Nous allons aussi nous discuter avec l'autre chef de gouvernement africain qui paraît tout pour nous appui. Nous allons discuter de comment nous augmenter le nombre, la présence, le nombre particulièrement. Nous allons entrer dans le cycle électoral. Nous connaissons que la période d'élection, généralement, c'est une période qui est difficile tout en termes de violence. Nous tiens une masse critique de forces répressives qui est capable de bailler la population en paix d'esprit pour aller dans l'élection normalement. Donc, la priorité, nous, là, c'est de chercher à renforcer les bras. Deuxième priorité, hein, c'est nous connaissons police la travail, zone. Ceci est inacceptable. Chaque fois, son problème pour nous joindre équipement, pour nous joindre. Nous parlons dans les Émirats Arabes Unis. À l'invitation de mon homologue, pour nous discuter d'un flux régulier de technologies, d'assistance technique et de matériel pour que la police et l'armée aient ça pour gagner pour mener la bataille. Parce que les instruments ont besoin pour gagner la bataille, nous comptons ça, ils ont besoin d'hommes, ils ont besoin de blindés, ils ont besoin de fusils plus sophistiqués, ils ont besoin d'équipement. Et il faut gagner un flux, il faut gagner un accompagnement technique, il faut gagner un support logistique, il faut gagner une capacité pour réparer le matériel, le matériel en panne. Donc, la discussion que nous allons faire avec homologue moyen, c'est justement pour nous avoir un flux régulier en matière de sécurité pour nous capables vraiment accélérer le processus de retour à la sécurité du pays. Donc, pour moi, voyage est essentiel et nous faisons, après que nous visitions Saint-Marc hier et que nous voyons que Jean-Michel Dindaloya avec qui rapidité police là, nous n'avons pas fait ça il y a quelques mois. Avec qui rapidité la police est arrivée à déployer des forces pour renforcer la capacité dans la zone antibonite pour répondre à besoin. Non seulement DG police a fait et renforcement sorti et Jean Dabdi Langonaï, mais nous avons ça qui passe tout. Nous arrivons sortis de Port-au-Prince, nous traversons le canal, nous montons et nous continuons à voir renfort par hélicoptère parce que je dis à gouvernement by tête nous avons un hélicoptère pour que nous avons une attaque ça en dehors de la zone métropolitaine, nous sommes capables de disperser les policiers avec les militaires pour aller en renfort à tout qui soit attaqué. Jusqu'à présent, je dis nous c'est pourquoi ça. Si nous demandons si nous satisfaits, mais pourquoi jamais qu'à satisfaire jusqu'à ce que tout les qui chef gagne pas en prison, pas payer pour ça au fait, jusqu'à ce tout autant que nous gagnons des monde qui déplacent pas qu'à retourner la caillou tout autant que la population a vécu dans le pays. Mais je dis à nous faire des avancées. Je dis à nous faire des avancées et nous continuer à faire des avancées en ce sens. Nous commençons à gagner les équipements qu'il faut, mais pas assez vite. Nous connaissons la population actuellement. Donc, voyage, ça permet de discuter avec des gens qui ont une large expérience en matière de sécurité, qui ont une large expérience et connaissance en matière de technologie pour sécurité, qui ont une large expérience et compétence en matière d'intelligence pour sécurité, et qui connaissent Haïti, qui connaissent l'histoire d'Haïti, qui connaissent ce qu'Haïti fait pour le monde, et qui décident pour établir un nouveau partenariat avec nous autour de la sécurité. Donc, discussion, ça va nous laisser dans le cadre vraiment des journées de travail autour de potentiel, ça va pour nous capables de renforcer l'équipe, la police et l'armée pour nous capables de faire travail. Donc, ces deux objectifs-là, nous connaissons toutes les conversations importantes avec la Jamaïque et avec le pays comme tout, qui promettent nous que nous pouvons envoyer renfort pour nous, particulièrement dans les zones névralgiques PIA, Et deuxième, bah, là, j'aime dire, c'est ouais, avec le gouvernement kenyan, comment nous pouvons accélérer, renforcer. Est venu et reste contingent qui nous vient renforcer contingent qui est là et qui travaille évidemment très très bien avec l'équipe la police haïtienne. Nous avons des conversations tout avec l'autre pays d'Afrique qui très décidé tout pour venir renforcer nous. Tout ça dans le cadre force multinationale. En attendant, c'est le ministre de la Justice qui a remplacé nous. Nous prévoyons tout un plan de travail pour ce maintenant qui a continué. Et DG police a rassuré que
déploiement que nous avons dans l'Antibonite là. Déjà commencé, mais a continué faire opération, me rassurer. Mon Saint-Marc que me rencontré hier et mon Antibonite, mon ego naïf que me pas de chance rencontrer, n'a pas avancé, n'a continué à avancer et j'aime toujours dire ne pas faire bac. Nous avons l'autre agenda que nous avons continué sur eux. Nous parlons avec le ministre des Affaires sociales, nous parlons avec le ministre de la Santé publique, nous avons des instructions très, très, très claires pour que les familles victimes jouent un support, pour que jouent un accompagnement. Là, nous avons un groupe de déplacés, de familles qui sont obligées de courir, quitter la zone côté massacre parfait, parce que nous avons l'autre nom. Et nous avons des instructions très claires pour que le ministère concerné appuie le plus rapidement que possible les familles qui sont en train de traverser une période aussi difficile pour que nous montrer le maximum de solidarité et que pour le gouvernement présent la situation ça. C'est pour ça d'ailleurs que ainsi d'arriver hier aussi vite que possible, nous aller Saint-Marc, nous rencontrer toutes les deux zones, nous parler avec eux, nous discuter avec eux. Nous avons des instructions très claires sur la collaboration que nous voulons gagner pour rapprocher police armée, police population, police armée population pour nous capable d'avancer de manière efficace sous bandit. Donc, c'est en gros, c'est ça. J'espère que l'on tourne ma pote bonne nouvelle. Mais entre-temps, après, que l'opération va continuer, l'activité de l'État va continuer, l'engagement va continuer dans l'intérêt de la promesse que nous avons fait pour que la transition soit quand on réussit. Nous, là, en grande quantité, après-midi, hein, dans l'énième conférence, ça, on a baillé sous situation pays. Nous songeons depuis l'opposition plurielle la prend naissance. Nous te dit, nous avons une mission pour nous faire échec à plan CARICOM, pour nous faire échec à CBTA et pour nous faire échec à gouvernement gariconien que nous te connaissons, nous te guettons ouais. Jean le Montea, li pa ta bay rien comme résultat. Jodi an, gon premier manche dans bataille là que peuple la remporté, que pays a remporté. Si pa gen groupe moun sa yo qui te campé pour mener bataille opposition, eh bien directeur général BNCA pas t'a bien courage pour dénoncer Brakel. Je dis, moi nous compte un gros travail qui fait au niveau de l'unité de lutte contre la corruption. Bataille ça qui fait et finalement l'homme dit bataille sans pile pression conseiller d'Ambaye. Sans pile pression nèg ki gen pouvoir t'ap bay. Sans pile pression t'ap bay pour que rapport ça pas sorti. Et bien jodi an, rapport sorti, nous tout rendre compte, nous gagnons jodi a yon association de malfaiteurs qui nan tête pays. Après prend pour nous, ça k'ap dirige pays a que nous rele CBTA, c'est yon association de malfaiteurs. Moi entendez, il y a des gens qui te désignent les gens, vous voyez, dans CBT ça, qui pas honte, qui pas honte population, qui pas honte la presse, qui campe, qui défend l'indéfendable. N'a dit, ça n'a pas passé. Il y a aucun bon en volet, rentrer la caillou, tant la justice du mot la forme. Nous ne pouvons pas accepter un poste de ça dans tête pays encore. Et moi, je dis son association de malfaiteurs. Je vais expliquer. Depuis le jour, non, M. Sayo a cité dans le scandale. Nous ne pouvons pas entendre le président CPT faire une déclaration. Nous ne pouvons pas entendre. L'autre membre qui dit qu'il n'est pas impliqué font déclaration. Ça veut dire, principe qui dit, qui s'allie, nous ne pas dénoncer. C'est-à-dire, nous ne comprenons pas à qui ça nous en a fait journée aujourd'hui. Nous tendons un gros complot qui a mariné pour révoquer
Hans Joseph. N'a dit monsieur, population était bon. Ah, les ont révoqué directeur général de MCA. Mais je dis, n'a pas gardé au nancier pour nous, est-ce qu'il y a un courage, est-ce qu'il y a une capacité pour même retourner dans la ville d'accueil là, voir pour être pour arrêter, pour révoquer directeur général Hans Joseph qui prend courage il y a demain. Qui livrait rapport ça. Mais d'abord, on message tout par la justice. Nous avons travail ça au fin fait et la justice a fait compte dans le dossier. Nous avons demandé au commissaire gouvernement pour le bal prendre pause, j'ai autant de pression à faire pour classer le dossier ça. L'enquête a mariné, tout le monde a dit que vous n'avez pas retiré Mounio. C'est parce que yo connaît yo range un plan un pour révoquer directeur général ILCCA deux pour classer dossier sans suite ça va passer ça pour ça il va passer pas passer ça va passer non sans ça plus que jodi hein pays à la guerre sans gouvernance pas de monde qui dans tête pays à jodi hein. Cette section qui fait déplacement, qui vient couvrir méga conférence pour la presse, opposition plurielle là, qui relaie opération pour libérer Haïti, qui vient en tête comme chef opposition, bagaille qui fait pour la première fois en Haïti, DG Jean-Tel Joseph, à côté de l'équipe, l'autre leader qui est sous côté. Nous avons un message clair à envoyer par le peuple et à envoyer par tous les détracteurs. Nous apprenons que le gouvernement Gary Konyan utilise un paquet de monde pour attaquer chef opposition, pour attaquer des dirigeants qui sont en opposition. Nous avons dit que c'est bien compté, mal calculé. Nous avons une équipe qui s'offre à une loi. Qui parle de sous-monde, qui est-ce qui n'a qui goût dans bouchon, c'est nos DG Jean-Tel Joseph, c'est nos maître Carlo Jean-Baptiste, c'est nos tout l'autre membre opposition plurielle là, parce que yo senti pays a pral difficile. Yo senti après toute offre, il a fait nous en battable, il a offri des gens, il a offri tout l'autre membre qui l'a, député Lubin, et ingénieur Sétamant. Et 100% diaspora et Dinaov, tout le monde proposition. Ils pensent que nous c'est manger, nous avons cherché. Jean, M. Astrel, Alexandre Medine, nous avons cherché manger. Eh bien, nous avons offert M. Caleb Post. Nous avons offert proposition Post. Nous avons offert DG Post. Nous disons non, c'est libérer pour nous libérer Haïti. Eh bien, ils ont passé par des mondes. Je dis à Yavadaki. Mais vous comprenez nos messages. Il faut nous garder. Qui est-ce qui porte le message là? Qui est-ce qui donne le message là? Ils ont toujours dit nous qui se recevons ça? Ça semble. Qui est-ce qui porte le message là? Qui est-ce qui donne le message là? Si je suis volé, je suis toujours un ami volé. Si je suis assassin, je suis toujours un ami assassin et c'est monsieur qui porte le message pour moi. Si je suis droit dealer, je suis toujours un ami droit dealer. Si je suis criminel, je suis toujours un ami criminel. Nous ne sommes pas dans l'opposition plurielle là, son équipe monde qui règne Haïti. A vous dit c'est tout le monde qui est maïtique qui mettait ensemble. Gardez le monde qui a porté le message là. Gardez qui est-ce qui a donné le message. On a dit yo, si diversion ça, chef opposition, pas répondre. Nous devons faire toute vie, nous n'avons pas parlé, il pas répondre. Parce qu'il n'y a pas de temps pour ça. Son pays nous a pour nous sauver. Son pays nous a pour nous dire pour nous retirer dans la boue, pour nous retirer dans l'humiliation. Mais m'a dit yo, pour nous finir. Attaquer chef opposition, c'est attaquer M. Caleb Jean-Baptiste. Attaquer chef opposition, c'est attaquer tout dirigeant qui n'opération libérée Haïti. Attaquer chef opposition, c'est attaquer bloc avocat. Et attaquer population. Attaquer chef opposition, c'est attaquer la population haïtienne. Nous disons qu'on va attaquer dans la radio, suspend. Parce que nous connaissons chef opposition, M. Caleb Jean-Baptiste. Et prochaine fois,
ne pas attaquer moun yo vre devant nous, m'a pas attaquer moun qui vre moun là. M'a pas attaquer messager à nous, m'a pas attaquer auteur qui pensait à qui voyait à et nous connaît les attaquer qui ça m'a dit le ça puis gagne crier puis gagne rire. M'a pas dit plus sur ça. Deuxième bagarre n'a pas parler aujourd'hui.